Corinne, merci de nous rejoindre. Alors, tout simplement à chaud, enfin, 5 minutes après la course, après avoir discuté avec le jockey, vu votre cheval, qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance, qui est donc une contre-performance de Cyrus des Aigles? Ben, je pense qu'il allait très très vite jusqu'aux boîtes, parce qu'il avait l'intention de bien s'amuser, vous l'avez vu, non? Et après, la course n'allait pas très vite, donc c'est bien pris aux yeux, ça l'amusait, il a même... dans le tournant, là, quand Olivier l'a amené, il a un peu accéléré, il était content. Quand l'autre cheval l'a attaqué, a durci la course, il était un petit peu moins content. Et quand il a vu que, là, voilà, il y avait vraiment le sprint et le combat, il a dit, écoutez, ici, ça n'a jamais été mon truc, le terrain est bon, non, non, c'est pas pour moi. Et donc, il n'a plus trop envie de se battre à ce niveau-là, surtout quand les terrains sont légers. En fait, il faut qu'il aille facile et on ne va pas lui en vouloir. Ça veut dire que pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous envisagez comme programme? Il faut vraiment affiner un peu le programme du coup pour lui là. Oui, puis il faut voir. Le problème, c'est que Longchamp est fermé. Le régal, c'était toujours avec lui d'aller à Longchamp, d'envisager le Hocquart, le Gannet, etc. Alors, bon, il peut y avoir le prix Exbury en début d'année. Je crois qu'il faut déjà voir comment il récupère. En tout cas, il est très bien rentré, il ne soufflait pas beaucoup. C'est pour ça que je pense que, voilà, il n'a pas envie d'aller voir s'il peut. Et ça, bah, ça peut vouloir dire qu'il faut plus courir. C'est lui qui va nous dire. En tout cas, pour s'amuser le matin ou pour aller aux boîtes, il est toujours là. Hein. Aujourd'hui, donc, vous envisageriez qu'il faudrait penser à stopper, à terminer sa carrière s'il n'a plus envie de courir, tout simplement. S'il n'a plus envie de courir, bien sûr. Mais ce n'est pas à moi de décider, c'est aussi au propriétaire. Mais je le connais, il pensera comme le cheval. C'est-à-dire? Ben, qu'il faut faire comme le cheval dit. C'est, voilà. Moi, ce que j'attendais, c'était un jour qu'ils me disent... Même le matin, parce que vous savez, mettre un cheval comme ça à la retraite, c'est très compliqué. Parce qu'ils sont pleins de vie. Parfois, vous les lâchez dans un pré, ils se font mal parce qu'il y a trop d'énergie. Quand c'est eux qui vous le demandent parce qu'ils sont un peu fatigués, comme un être humain, c'est tellement facile. Parce que c'est eux qui... Il faut aller vers eux. Et peut-être qu'on s'approche de ce moment-là, à confirmer. En rentrant cet hiver tranquillement, à voir le cheval, comment il évolue, j'imagine. Oui, oui. Puis de toute façon, la transition se refera sur de longs mois. D'abord... Continuer à sortir, monter tous les jours sans aller courir, etc. Il faut le gérer comme on gère son père ou son grand-père. Merci Corinne.